Voilà, les muchachos. Ici c'est Nobu, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Zelda Spirit Track. Et aujourd'hui on va essayer de ne pas parler trop fort, vu que j'enregistre à 2h du matin. Ou presque, il est presque 1h du matin, presque 2h. On est dans la nuit, quoi, voilà. Donc, on va continuer donc l'aventure. Donc je vous rappelle que Mamie Gâteau est en train de combattre... Allons-y. En train de combattre le connard qui nous a fait des connasseries, tout simplement. Dans quelle contrée? Je vais aller dans... Et... Ben, je sais pas. La neige? Je pense que c'est la neige, vu que je pense que c'est à côté. À côté de, ce que, de là où on va aller, peut-être. Je ne sais pas, je reste planté là et les doigts font. Et quelques. Je sais plus les paroles. C'est dingue. On s'en bat les couilles. Bon, bref, du coup, tchou-tchou, hein, évidemment, hein, on est parti pour une bonne trentaine de minutes de tchou-tchoutage. On est heureux de faire ça. Ah oui, donc c'est à côté, ça va. Ça va, c'est à côté. Wesh, wesh. Allez, on va vite, s'il te plaît, on va vite. En plus c'est cool, ça fait un petit raccourci pour je sais pas trop. Non, ça va, j'aime bien ce petit chemin. Ah, le chemin. La montée fatale. Ou pas, je sais pas. Je sais pas où on va. Contrée du feu. Ouais, c'est la première fois qu'on a ça, non? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cerise, dépêchons-nous! Oui, on va se dépêcher, en effet. Des poètes, des poètes, des poètes, des poètes, des poètes, des poètes. Alors, je vais où, moi, par contre? C'est un peu con, mais la question se pose. Ok. 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 Tout va bien. Poète. J'espère que la gaufrie surprendra des pentes. Oui, bah j'espère aussi. Bon, c'est un peu une gaufrie. Enfin, les voies ont été faites pour ça. Enfin, je pense. Bon, j'avoue que c'est raide quand même, hein, niveau. Niveau pente quand même. On va dans une droite. Je suis pas hyper pour aller dans la grotte d'abord. On va déjà aller à droite là-bas. Quand je parle à droite, c'est par la droite, mais c'est par. Ouais, vous avez compris. Ou pas, et dans des cas genre à la foutre, voilà. Voilà, à droite, ici. Voilà, ici. Il y a un petit truc là-bas. Ah oui, mais de toute façon, il y a une grotte. Ok, super. De toutes les façons, il y a une grotte, on est dans la merde. Chou. Chou-chou. Chou-chou. Non, je m'en fous, je vais aller là-bas. Je m'en fous, je veux aller là-bas. Je sais pas où c'est, hein, mais je vais aller là-bas. Calme-toi. Ah bah oui, bah ça surprend, hein, j'avoue. Hein, ça surprend. Hein, un village Goron. Alors j'espère que j'aurai pas dormi un niveau de hauteur, parce qu'à chaque fois que je mets une musique Goron dans une vidéo, j'ai une hauteur qui saute. Enfin, la moitié des gens qui saute. C'est génial. On va espérer. Regarde quel état il se fait là, j'ai de bref temps pour les aider. Allez, Mio, armée en coquette, il faut ouais, le comment machin tractionnaire. Ok, super. T'as que ça me dire, toi. Basal Goron. Ok. La route a été obstruée lors de la dernière éruption. Le dieu de la montagne doit être en colère. Oui, je vais faire une voix assez. Ouais, c'est comme ça, puis débattez-vous. Ah, j'ai fait, c'est vrai que quand le volcan a explosé, oui, je rentre chez moi, papy Joël, papy, on se connaît pas, je vois. Oui, je vais visiter votre village, de toute façon, on peut pas entrer. Super. Je vais visiter votre village, non, on peut pas entrer. T'es bien de toi. À cause de l'éruption, tout à l'heure, route a été bloqué. Je te l'ai passé, va voir le garde-chef. Ok. Ok, le chef a pour de écouter le village. Nous sommes en train de prier à l'hôtel pour calmer l'éruption. Je me tiens en garde. À cause de l'éruption, le vieux chemin qui mène à l'hôtel est très dangereux. Eh ben, allons-y.
si on avait le choix. Alors, par contre, c'est où Varro? Excusez-moi, je veux pas paraître chiant, mais c'est Varro. Par là? Très bien. Hôtel. Et bah, allons à l'hôtel. Peut-être. Ah. Bonjour. La cire Gowon du village Gowon est très réputée pour sa solidité. Toutefois, elle ne sait pas bien la lave. C'est ballot pour un village vers la lave. Oula. Oula, on se fait chier. Oula. Oula, on se fait chier, dis-moi ici. Oula. Oula, mais c'est la merde. Ah, c'est très la merde. Ah la vache. Bonjour. C'est pas très bien. Mais comment je passe, moi, ici? Oula, oula, oula. C'est pas très halal, tout ça, moi, j'ai envie de dire. En plus, j'ai aucun bouclier ni rien. C'est super. Toi, tu fais quoi, toi? Un petit pont. Ok. Chronométrie, évidemment. Bah oui, évidemment. Super. Un petit cœur et puis sans rond. Ouais, mais ça me dit pas comment y aller en fait de base, donc au pire j'en ai rien à foutre. Donc oui, on creux, donc c'est bien, voilà, c'est bien, on fait des conneries, c'est bien. Donc, on va faire un petit truc, vous êtes bien? Bonjour. Non, je vais pas l'activer tout de suite. Je ne voulais pas l'activer tout de suite. Je voulais un peu attendre. Puis non, c'est trop tard, on se retrouve maintenant. Voilà, super. Voilà, menu. Tac. Là, j'avais pas vu ça. Eh oui. Continuez pas à exploser la bombe. On demande la bombe. La bombe n'a donc pas explosé. Que je peux l'avoir, enculé. C'est fait exprès pour qu'on l'ait, c'est ça? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En plus, on n'a pas bougé avec un truc, ni rien, c'est dégueulasse. Ouais, on a compris. Ouais, fallait passer par là, évidemment. Au poil de cul, ce truc. Quoi que vous en... Ouais, mais je veux pas descendre de la montagne en cheval. Je ne veux pas descendre de la montagne en cheval. Je veux juste monter et prendre l'hôtel. Aller à l'hôtel. Bah, prendre un hôtel, c'est n'importe quoi. Ou prendre un hôtel rue de la paix, à la rigueur, mais... c'est pas pour moi. Beaucoup trop cher. Hmm? Qui es-tu? Cet endroit est sacré pour les gamins. Tu ne peux pas y entrer comme ça. Mais tu n'es qu'à l'enfant. Tu es monté ici tout seul? Mais qu'est-ce que tu veux? Eh ben en fait, c'est un peu la merde dans le monde. J'aimerais vous aider, mais c'est la merde. Le sanctuaire, moi-même j'ignore où il se trouve. Le grand secret, pas des... Ça va parler, donc. C'est un secret gardé par les doyens Goron depuis des générations. Tu veux rencontrer le doyen? Oui. Tu vois bien, les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment du tempérament. En fait, il existe un moyen pour accéder au village. Mais dis-moi, Jamy. Tu es conducteur de train, non? Oui, pourquoi? Les conducteurs de train ont une aura particulière, j'arrive. Non, mais je serais boulanger. Il y aurait un univers fait par les boulangers. Il y aurait une... Non, mais c'est n'importe quoi, enfin... Bref, c'est pas grave. Ouais, on dirait percevoir, hein, peu importe, tu devrais pouvoir l'utiliser, je t'expliquerai quand nous serons descendus de la montagne en cheval. Par devant, tu l'as... Super Michel. Bon, ok. Nique-toi. Ok. C'est dangereux de passer par ici, non? En plus, je suis sûr qu'il y a... Ah oui, d'accord, ok. Super Michel. Super Michel, je les vois pas ces conneries moi. Oh, j'ai failli tomber comme un connard.
comme un canard. Un collier de perles, oh oui! Donc ça c'est fait, bonjour. Ah oui, je me casse, c'est ça. Donc apparemment je dois aller au... Ah, c'est la musique. Enfin, la musique de Karen of Time, c'est grand, c'est un peu plus rythmé, quoi. Bref. Garde le chef, que se passe-t-il? Je voudrais remettre ce que tu sais à ce jeune homme. Je voudrais que tu m'aides. Mais si vous... Si c'est vous qui m'entendez, je n'ai aucune objection. Maquenon. Ok, une porte avec des clés, super. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est donc ça. Ok, je viens de comprendre. Mais je pense qu'il faut exactement ce qu'il faut. Enfin, je pense savoir ce qu'on va me demander maintenant. Hein, voilà, alors c'est chiant, hein, c'est très très lent. Hein. Il n'y a pas de bouton pour accélérer, il va falloir faire comme ça, hein, c'est doux. Hein, bonjour. Bonjour, bonjour Coron. Ah, quand tu veux pour pousser, quand... Ouais, c'est très bien. Moi aussi je peux le faire, hein, ça va. Il faut que tu amènes dans ton wagon quelque chose d'assez froid pour refroidir la lave. Fais de tous les machins de matériaux de toute la ville. Ouais. Ouais, non, moi je sais ce qu'il faut, hein. Ça va. Je sais exactement ce qu'il faut, hein. C'est de la merde, hein, mais ok. Juste voir s'il n'y a pas. Le bouclier que. Ok, ok, ta gueule, le bouclier vaut combien? 200 rupies, putain, c'est cher sa race. Arrêtez. Je crois que c'est 50 rubis. En fait, Lineback, en fait, il c'était 100 rubis le bouclier, ça allait en fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, quelque chose d'assez froid pour arrêter la lave. Allez en route, ça peut être que ça, tu sais. Enculé. Donc, il faut retourner quelque part. Alors, par contre, ça va être bien, ça va être là, on va être bien pour des quêtes secondaires. Mais ce n'est pas secondaire. Et ça, c'est cool. Donc, va falloir retourner dans la... Alors, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être plus froid que la lave? Déjà tout, hein. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus froid que froid? Hein, la question se pose. Et du coup, aussi, maintenant, on a un truc pour porter des trucs dans le... Hein, ce truc-là derrière, hein, que je ne peux pas montrer, mais voilà. Que j'essaie d'exploser avec mon canon, tout va bien. Pam, 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 pam. Ok, calme-toi, la route. C'est vrai, la sortie d'épée. C'est vrai. La guerre au bord du lac, mais quel a ton verre là-bas, dis donc. Doudou, dis donc. Qu'est-ce qu'on va t'en faire? Mais on ne sait pas. Oh! Ah, mais c'est la DP, c'est ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, d'accord! Maintenant, il y a des. Il y a des pirates sur roue maintenant! C'est innovant! Ils ont copié la technique des pirates, sauf que c'est sur roue, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a plus de trucs qui tournent et par ici d'ailleurs. C'est dingue. D'habitude, il y a des trucs qui tournaient là, qui est des locomotives maléfiques, mais non, il n'y a plus. Super. Bon, ça m'arrange, hein, de base. Hein, voilà. Bref, du coup, on y est. Normalement, hein, si mes souvenirs sont bons, on y est. Sinon, on est là pour un bon long voyage. Ça serait super. Je serais hyper joyeuse. Genre, hyper joyeuse, quoi. Allez hop. Du coup. Normalement, je fais de la merde. Bonjour. Bonjour les chiens. Bonjour les chiens, j'ai dit. Oh, comment je dresse. Oh, chien de mes couilles. Non, il n'y a rien à faire. D'accord. Et je vois un temps pour à prendre. 100 rubis, oui, super, mais il n'y a rien d'autre à faire du coup.
Je pensais qu'il y a quelque chose à faire du coup là-dedans, mais non, rien du tout. Bon, du coup, on va faire autre chose, du coup, hein, autre chose que je pensais pas, mais ok. Toi. C'est un peu moins calme, mais ok. Acceptons. Et abonnez-moi un tampon. Oui, je vais tamponner ça, oui. Je vais tamponner ici. Parce que je sais viser. Hein? Non. Là. Ah ouais, quoi, je peux faire n'importe quoi, quoi. Oh, super. Mais elle peut pas faire n'importe où non plus. Ouais, non, très bien. Très bien ici. Très, très bien. Et on se casse avec la... Nickel! Donc c'est pas ici, mais au moins on a un tampon. Eh, c'est en pause, mais ça fume toujours. Alors du coup, c'est par ici qu'il faut, c'est ça? Eh, mec! Au fait, il nous faut du bois! Mais il nous faudrait quelqu'un qui soit capable. Ah oui, c'est vrai que oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est. Merde. Fais chier. T'as besoin de quelque chose? De glace? Comment, loue la glace? C'est quelque chose qu'il faut se... Oui, t'as la chance, comme des glaces, ça veut juste de nourrir, juste ici. Là, qui fabrique la spécialité du coin. Ah oui. Oui, c'est vrai que j'ai des accents racistes, hein, mais... J'aime tellement des accents racistes qu'au bout d'un moment, je sais plus quoi dire. Hey, mec, j'ai vu que t'avais une voiture de son temps, maintenant. Comment? Tu as depuis le début? Bah, peu importe. Tu voudrais bien emmener au bord du lac? Non! Pourquoi? Écoute, tu verras bien, je vais pas te refuser mon métier, c'est de vendre des glaces, parce que c'est la région. Quelque temps, un bloc de glace est noyé ici. Ouais, on va prendre un coup, alors si tu veux me mettre prendre un lac, oui. Ah bah voilà pourquoi j'avais... Je savais qu'il fallait aller dans l'autre, mais je savais pas qu'il fallait emmener d'abord ce con. Ce petit con, là. Je savais pas qu'il fallait amener. Moi, c'est parti pour chercher pour le code du... train. Super. On va chercher. On va chercher, en plus, avec tous les pirates qu'il y a, avec tous les trucs qu'il y a, on va chercher. Ah, c'est génial, on va chercher. Donc... Garbor près du lac. Donc il faut l'amener là-bas et là-bas on pourra faire du commerce de la glace. Ah non mais c'est pas clair tout ça, hein, mais c'est bon, on est clair maintenant. Pas. Voilà, niquez-vous bien. Oh non, salaud. Hey mec, c'est un peu dangereux ça. Bah si, c'est un coup de connard quoi. Enfin, je sais pas, enfin je... Merde. T'es sûr de vous? Non, t'es vert. Merci. Oh putain, encore, sérieusement? Mais y'en a de partout! C'est de la merde! Mais c'est quoi cette invasion? Et c'est nickel! Ah, t'es bon, mon chef! Hey, mais ce poids d'eau me semble bien pour fabriquer des blocs de glace! Mais oui, mais c'est super, Michel! Te grouille surtout pas! Donc voilà, maintenant qu'on a récupéré ce mec pour passer ici, on peut commander de la glace! Hey, ça n'a pas fait pour fabriquer des blocs de glace, tu as déjà dit! C'est décidé, je m'installe ici! Tout ça, c'est grâce à toi, merci, mec! Ah oui, c'est vrai, c'est un truc de merde! La triforce de la reconnaissance interstellaire. Ça veut rien dire. Gemme de force, oui. Maintenant j'ai un passage pour aller de là. Ils ont pas pu me le mettre avant. Non, histoire que je me tape pas tout en haut. C'est pas grave. Nous ils vont faire sa parure, c'est génial. Très bien, je vais mettre tout de suite au travail. Excuse-moi, mais tu pourrais aller un peu plus loin? Je vais pas révéler mes secrets professionnels. Ouais, c'est bon? Ouais. Oh, tu me fais chier! Ah, si je me casse, je me casse deux secondes ici. Bonjour. Est-ce que t'as arrêté d'être chiant? Oui, t'as arrêté d'être chiant, super.
Hey mec, pareil que t'as un wagon de marchandises maintenant. Si tu transportes nos seules plaques de glace, ça les rend au sein de ton prestige. Et en ce moment, elles sont en prix incroyable de 25 rubis. Trop cher? Hein, qu'est-ce que tu viens de dire? Trop cher? D'accord, t'as gagné, je passe mon prix à 25 rubis. elle me fait un peu bouger là, non? Comment, c'est le PMP? Juste, je suis démasqué. Bon, c'est bon, t'as gagné son... Ah, 10 rubis, voilà. Vendu. Enfoiré. Merci. Ah. En fait, il y a deux points sur lesquels je dois me mettre en garde. Primo, si ton train subit des chocs violents en chemin ou si tu te fais attaquer, les plaques tomberont petit à petit. Secondo, c'est de la glace, alors forcément ça fond. Dans un endroit froid comme ici ça va, mais ailleurs les plaques fondront petit à petit. Sur les compteurs, et en temps d'utilisation. Et on va dans un truc de lave. Pardon. Excusez-moi, je viens de... Voilà. Oui, je veux reprendre le train. En voiture. Donc, avec ce chargement de glace, je dois aller vite. Là où je dois aller, hein, c'est-à-dire au volcan de lave. Hein. Tout en faisant gaffe à que ça ne fonde pas tout. Et ce qui est génial, c'est que ça va fondre vite. Bah, d'après mes souvenirs, hein, je sais pas, hein, ça fait quoi 4-5 ans, j'ai pas fait ce jeu, donc d'après mes souvenirs, ça fond assez vite. Hein. Ou alors, donc, il y a 4-5 ans, j'étais complètement nul, et voilà, je sais pas, je sais plus. Tout est possible avec Barbie. Au bout d'un moment, hein, voilà. Voilà. Donc, bonjour. Donc, vite. Alors, bien sûr, ça va fondre, hein, vitesse. Oh les enculés. Mais les enfoirés, faut qu'ils mettent évidemment un truc à la con ici, quoi. Évidemment que ça va me faire chier.